Il a fallu de véritables combats pour arriver à une société qui soit égalitaire en droit. Maintenant, ce n'est pas l'égalité réelle, on n'y est pas encore. Mais en droit, il y a une égalité. L'égalité, disait Mitterrand, est toujours un combat. On le voit par exemple pour la cause des femmes, puisque les femmes ne votent que depuis une soixantaine d'années. Elles ont le droit d'avoir un compte bancaire que depuis quelques décennies seulement. Donc l'égalité a été un combat et ça l'est encore. Comment se construit l'égalité? Elle se construit avec des droits. Et des droits, ça peut être des droits humains et des droits politiques. Les droits politiques, c'est une conscience, la conscience que le pouvoir se partage. Et à partir du moment où le pouvoir se partage, il est normal que les femmes puissent accéder aux droits politiques. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, un texte sur la parité, pour l'égalité homme-femme en politique. Donc c'est un texte qui est un texte égalitaire, mais l'égalité réelle n'est pas atteinte, puisqu'il n'y a pas 50% de femmes au Sénat, 50% de femmes à l'Assemblée. Pas encore, ça reste encore un combat à mener, c'est encore le combat des femmes. Les féministes ont mené des combats, très difficiles parfois, souvent mal compris, encore aujourd'hui, et elles ont raison, parce que rien n'est gagné. Rien n'est gagné, il peut y avoir des reculs, donc elles sont attentives et elles ont raison. Qu'est-ce qu'elles ont obtenu? Elles ont obtenu la première liberté, qui est celle de disposer de son corps. Ça veut dire que s'il y a une grossesse non désirée, elles ont le droit d'avorter, on appelle ça l'IVG, hein. Elles ont le droit d'avorter, elles ont le droit de garder l'enfant, de ne pas le garder, elles choisissent leur époux, c'est quand même le minimum, mais bon, il faut le dire parce que dans certains pays, ça n'est pas encore le cas. Elles s'habillent comme elles veulent, quel que ce soit en mini-jupe. Une femme peut aussi porter un foulard si elle le souhaite. Il y a juste une interdiction qui est ce vêtement qui est de la tête aux pieds et qui est interdit, et ça se comprend parfaitement, pour des questions de sécurité. Donc il y a une liberté, liberté vestimentaire, liberté de disposer de son corps, liberté de travailler, parce que le travail, c'est encore ce qui construit l'individu. On est encore dans une société où l'individu se construit à travers le travail. Et le travail, c'est s'émanciper de son époux, de son conjoint, c'est pouvoir disposer de ressources propres qui feront que cette femme pourra être une femme libre. Toutes ces libertés travaillent à l'égalité homme-femme et travaillent surtout à construire ou à déconstruire des préjugés. La construction de l'égalité se fait aussi par la liberté. La liberté, c'est l'égalité.